changer la situation sociopolitique actuelle, caractérisée par le blocage au niveau de la coalition au pouvoir, le blocage plusieurs fois dénoncé par nos pères évêques. Après avoir dit ce qu'il pense de cette situation à son Excellence le Président de la République et à travers MMO, la présidence de la CENCO a jugé utile, dans le cadre de la mission prophétique de la CENCO, échanger aussi avec le président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila, pour lui dire aussi ce qu'il pense, le conseil, lui donner le conseil qu'il trouve juste en ce moment, et aussi pour l'écouter, afin de continuer à réfléchir. Et vous savez, la CENCO a toujours promis d'accompagner les institutions du pays, la nation dans son ensemble, pour l'édification de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour l'amélioration des conditions de vie. La mission est dynamique, les évêques vont apprécier, certainement quelque chose sera fait et vous serez au courant.